Et mes amis, ravi de vous retrouver dans ce contexte exceptionnel pour parler d'une chose qui, évidemment, freine beaucoup de gens, c'est le sentiment de procrastiner. C'est pas seulement qu'un sentiment, c'est parfois un vrai comportement où je me retrouve devant ma télé et puis je me rends compte que ça fait 2 heures que je regarde des trucs qui sont inintéressants, je me promène sur Internet et puis je me rends compte que du coup, il est 8 heures, 8 h 30, 9 heures et j'ai passé mon temps à finalement pas avancer, que je me rends compte que finalement ce que j'avais décidé de faire aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Combien de fois ça peut nous arriver? Alors il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre, les gars. C'est que vous avez un cerveau qui est constitué de plusieurs niveaux. Il y a d'abord le conscient, le préconscient et l'inconscient. Et donc, je voudrais vous alerter en fait sur une chose, c'est que quand vous procrastinez, c'est qu'il y a une partie préconsciente et inconsciente qui a plus de gains à ne rien faire qu'à bouger. Et de quoi ça vient ça? Ça vient souvent du fait qu'on est un peu dans une espèce de modalité de baisse d'énergie. On est un peu fatigué, on est un peu déprimé parfois, on a l'impression que les autres ça va mieux. Enfin bref, vous voyez, on entretient en fait des pensées sans trop s'en rendre compte, mais qui sont un peu dévalorisantes. Où on a l'impression que les autres sont mieux, on se compare à ceux qui vont tant, on voit des gens qui sur Internet se bougent, etc. Et puis nous, on est là un peu à se dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'y arrive pas? Puis finalement, c'est compliqué, etc. Et on met le focus sur des sentiments négatifs, sur des pensées négatives. Et on ne se rend pas compte qu'on descend là-dedans. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne se rend pas compte qu'à ce moment-là, on se dévalorise. Et c'est ça le truc. C'est que du coup, je ne me rends pas compte que je suis en train de me dévaloriser. Pourquoi? Parce que c'est un peu en zone de préconscience. Sauf qu'à l'intérieur de vous, vous voyez, il y a le conscient, un peu comme le. Souvent, on prend cette image du cavalier, vous savez, qui veut sauter la barrière, et puis on a le cheval qui est dessous. C'est un peu comme le motard et sa moto, si vous voulez. Donc, si à un moment donné, le cavalier a envie de sauter la barre, mais que le cheval, lui, en dessous, il a plus de bénéfices à ne pas y aller, eh bien, du coup, il y a une dissonance entre le cavalier, le conscient, et le préconscient et l'inconscient qui est le cheval. Et nous, ce qu'on veut, c'est modifier ça. Mais d'abord, pour modifier ça, il faut repérer ce qui entraîne ce cheval à s'éteindre. Et très souvent, c'est un espèce de management interne, de communication interne qui est un peu dévalorisant. Alors, comme ce n'est pas très marqué, vous voyez, c'est un peu en arrière-plan comme ça, et ça va avec des sentiments négatifs et des propos où je me dévalorise, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme vous êtes en train d'attaquer votre monde intérieur, c'est-à-dire de le dévaloriser, de le culpabiliser parfois, eh bien, du coup, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va chercher à se raccrocher à des choses qui vont lui faire du bien immédiatement, mais qui vont le servir, qui vont le desservir à moyen terme et à long terme. Donc du coup, il rentre un peu fatigué du boulot et qu'est-ce que fait notre bonhomme? Il s'assoit dans le canapé, il regarde la télévision et puis il fait n'importe quoi. Il traîne le soir à regarder la télé plutôt qu'à s'occuper de ce qui est important. Il traîne devant son ordinateur au lieu de canaliser son énergie sur ce qui est à faire. Pourquoi? Parce que intérieurement, eh bien, ce cheval intérieur, cette partie préconsciente et inconsciente, elle va chercher à satisfaire immédiatement par des actions immédiates, un sentiment de confort. Et malheureusement, on va voir apparaître des comportements qui vous desservent. Vous allez commencer à manger n'importe quoi, à vous laisser aller. Et dès qu'il y a un truc comme ça qui vous fait un peu briller, qui va exciter votre stimulant intérieur, eh bien, vous allez sauter dessus. Et du coup, vous laissez attirer par plein de trucs. Et la meilleure façon de procrastiner, c'est justement de se laisser stimuler par plein de choses, en fait. Et donc, comment transformer ça? Comment transformer le mindset? Comment transformer cette énergie? Et du coup, organiser votre attitude différemment. Là, il faut comprendre qu'est-ce qui se joue quand, au contraire, vous êtes dans de la discipline que moi je vais appeler constructive, c'est-à-dire il y a trois choses dont vous avez besoin. La première, c'est quel sens ça a de faire cette tâche? Quel sens ça a de faire cette vidéo? Quel sens ça a d'aller à la rencontre de cette personne? Quel sens ça a d'avancer dans ce projet? Quel sens ça a pour moi? Au fond, quelle valeur ça nourrit? Donc, il faut absolument que votre système de valeurs soit connecté à votre objectif ou que votre objectif soit connecté à votre système de valeurs. S'il y en a un des deux qui manque, voilà ce qui va se passer. Si vous êtes dans le confort parce que tout va bien et que pour l'instant, vous ne souffrez pas trop, et ben, même si votre relation à votre conjoint n'est pas bonne, même si la vie d'entreprise n'est pas vraiment bonne, comme en gros ça va, et bien vous allez tomber dans cette espèce de confort. Et vous allez lui dire, pour l'instant, ça va. Et vous allez continuer à faire des choses de plus en plus mauvaise en fait, qui vous desservent à moyen terme et long terme en vous disant pour l'instant ça va. Et vous, ce que vous devez aller chercher, c'est quelle est la conséquence si je ne bouge pas? Au fond, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'erreur que je suis en train de commettre si je continue à faire ce que je fais? Où est-ce que je suis en train d'aller? C'est quoi la conséquence si je ne bouge pas? Et à partir de là, de vous dire, waouh, qu'est-ce que ça révèle comme important pour moi? Et il faut absolument qu'une fois que vous ayez pris conscience des conséquences si vous ne changez pas, eh bien d'aller connecté à la valeur et le sens que
vous donner à cet objectif. Qu'est-ce que je veux faire? Si ça se passait bien, ça se passerait comment? Et qu'est-ce que ça va nourrir chez moi? Pourquoi? Parce que votre système nerveux, votre cheval intérieur, pour qu'il ait envie de sauter la barrière, il faut qu'il y ait non seulement un objectif, mais une valeur reliée derrière. Si par exemple, vous suivez toujours cette vidéo, c'est parce que derrière l'intention de la suivre, il y a probablement un intérêt pour une curiosité, pour apprendre quelque chose, etc. Et c'est pour ça que vous êtes encore là. Si maintenant il y a un important plus grand qui se manifeste ailleurs, eh bien vous allez lâcher la vidéo et passer à autre chose. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous allez nourrir quelque chose de plus important. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est quoi cet important que vous voulez nourrir à travers votre projet? Et vous verrez que quand votre objectif s'allie à une valeur importante, eh bien comme par hasard, hop, l'action, elle commence à s'engager. Je vais vous raconter une histoire, c'est pour bien marquer en fait le truc. Un jour, j'étais en intervention comme ça dans un centre hospitalier et puis je travaille sur le service des urgences et là j'ai un manager qui vient me voir et qui me dit oulala, moi je comprends pas pourquoi tous les gens se plaignent ici. Je dis ah bon tout ça? Il me dit oui, moi j'étais en Afrique, on avait des conditions qui étaient bien pires et pourtant on se plaignait pas tant. Et je dis oui, mais il y avait une différence énorme, c'est que quand vous allez en Afrique, quand vous décidez d'investir du temps, de l'énergie, de l'argent dans des contextes aussi difficiles que ceux que vous avez pu connaître, c'est qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui vous anime. Il y a un projet bien sûr, mais qui est animé de valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous êtes connecté, quand vous vous souvenez de ces conditions, eh bien aussi difficiles étaient-elles, vous avez continué à mettre de l'action, de l'énergie, parce que le projet que vous poursuivez était en phase avec des valeurs. Et puis un jour, après 2 ans, 3 ans, eh bien ce projet il s'est un peu éteint. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas important que vous soyez là, mais vous sentez qu'il y a des valeurs importantes qui n'étaient plus autant nourries et vous avez décidé finalement de rentrer en France pour satisfaire d'autres valeurs. Et c'est comme ça que vous avez décidé de changer. Et c'est ça la motivation, c'est ça la maîtrise en quelque sorte de cette procrastination. C'est simplement de reconnecter, soit si vous êtes dans des comportements qui sont négatifs, à la conscience des conséquences que ça va avoir si vous ne changez pas, pour ensuite déterminer qu'est-ce que vous voulez vraiment et à travers ce projet, quelle est la valeur que vous nourrissez. Et vous verrez quand projet et valeur s'unissent, alors il y a de l'énergie qui monte et de l'action qui se met en marche. Si vous êtes très motivé parce que demain vous avez un objectif très important en termes sportifs, vous voulez réussir cette compétition et vous devez absolument, parce que c'est très important pour vous de réussir aux yeux des gens que vous avez autour de vous, de vos enfants, de votre famille, et que simplement intérieurement vous êtes motivé, vous avez de l'amour pour ce projet, et bien du coup si moi je vous empêche de vous entraîner, vous allez trouver que c'est vraiment dur parce que vous êtes prêt à mettre de l'action, de l'énergie pour aller chercher votre objectif parce qu'il est important pour vous. Donc voilà, c'est ça la combinaison, avoir des valeurs, avoir un projet, avoir des valeurs. Et quand les deux sont nourris, vous allez voir que le palpitant monte, l'énergie monte et vous passez dans une action qui est constructive. Et c'est ça qu'il faut mettre en place dans votre vie. Si vous avez besoin d'avancer dans cette direction, prenez contact avec nous, allez trouver des personnes. Il y a des tas de gens sur le marché qui peuvent vous aider à faire le prochain pas. Mais de grâce, développez cette faculté à transformer votre attitude, à grandir à travers vos frustrations. Et puis même si ça fait un petit peu de temps comme ça que vous vous surprenez dans la procrastination, c'est pas grave, sachez que vous pouvez changer ça. On se retrouve très vite. Merci encore de votre patience, de votre lien. Moi, j'adore être en interaction avec vous. Merci aussi pour vos messages comme ça que vous laissez très régulièrement. Et puis encore une fois, je me connecte à toute cette nature pour vous inviter à les connecter à cette belle nature qui est à l'intérieur de vous, parce que le monde vous attend, parce qu'il y a tellement de belles choses que vous pourriez construire quand vous allez vous chercher intérieurement, parce qu'il y a tellement de belles choses plus grandes que vous imaginez en vous, que je vous incite vraiment à faire ce qu'il faut pour vous révéler dans votre meilleure nature. Merci à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve très vite pour une prochaine capsule.